Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h, on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. La voiture, voilà, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas démarré. On a préparé ce joli monsieur. On a pris, j'ai tout, j'ai le gant, masque, gel hydroalcoolique, j'ai tout. Et hydroalcoolique, ouais, je sais pas comment on dit. Enfin, le gel désinfectant, quoi. Et voilà. Et du coup, Mylon va faire son vaccin et après, on rentre vite à la maison. Moi, je suis pas sortie. Thibaut, il est sorti une ou deux fois pour faire des petites. Mais moi, je ne suis pas sortie du tout de la maison. Mylon, on l'a mis dans le siège auto. Il a hurlé, genre il se rappelle plus du siège auto. Voilà. Donc on fait vite et on rentre. Et encore, quand je dis Thibaut, il est sorti, c'est que là, je suis encore dans ma résidence et le shop, il est là, quoi. Donc en fait, non, il n'est pas sorti. Il est allé à l'entrée de la résidence. Non, mais vraiment, il n'est pas sorti depuis hyper longtemps. On respecte vraiment les règles de confinement. On est des fous, nous, on est les pires, je crois. Mais bon, il faut ça, parce que quand je vois qu'il y en a qui sortent tous les jours, ou quand je vois qu'il y en a que bah, ils ont jamais fait de sport et puis d'un coup ils vont courir dehors, bah, moi ça me dépite quoi. Ma foi. Bon, ça y est, on est sur la route du retour. Mylon a fait que pleurer. Mon bébé, il est cuit là. Là, il est vraiment KO, couche. Voilà, on rentre à la maison. Ça fait du bien de quitter le masque, les gants, puisqu'on a gardé pendant une heure le gant, les masques et tout, mais il fait chaud dedans. Oh, franchement, je souhaite beaucoup de courage à toutes les personnes, les infirmières qui ont les combinaisons, les masques, les gants. Enfin, je sais que c'est vraiment pas évident. Nous, on l'a gardé une heure, ça m'a déjà gonflé. Donc, franchement, vous avez beaucoup de mérite. Voilà. Donc là, on rentre à la maison. Et puis, Mylon, je pense qu'il va manger de la carotte et faire un gros dodo. Parce que là, il a vraiment crié beaucoup. D'ailleurs, je crois que Mylon s'est traumatisé des infirmières, de l'hôpital et tout, parce qu'à peine il a vu notre docteur qu'il connaît très bien, mais sauf que là il l'a vu avec sa blouse, son masque, ses gants, enfin, genre vraiment comme quand on était à l'hôpital il y a quelques semaines, il n'a pas du tout kiffé quoi. Il a hurlé, hurlé, il ne fallait pas qu'on le touche. Je crois qu'il est un peu traumatisé des hôpitaux, mais il a vécu pire que d'un vaccin, donc voilà, ouais. Donc ça va, il est fort, il est costaud. Mais là, il est cuit. Bouh, ça mange avec son papa, là. Oh là là, comme c'est bon, tu te régales avec ton papa. Oh oui, tu l'aimes, la carotte, hein? Pourquoi tu me regardes comme ça? Hein? C'est parce que t'as fait des bêtises. Cette nuit, elle a encore fait des siennes. En fait, elle adore aller bouffer mes trucs. Voilà. Bébé, allez! Je t'attends, là! Oui, attends. Bah oui, c'est ce que je fais tout le temps. Oui, attends, elle m'a dit. Mais oui, attends. C'est ta passion que je t'attende. Je t'attends tout le temps. Il est dégoûté parce que je lui ai dit, allez, on fait du yoga, on se dépêche, on se motive. En vrai, si je me motive pas maintenant pour faire du yoga, je me motiverai jamais. Il est déjà 15h30, j'ai pas du tout envie. Donc, ouais. On va faire le yoga. Et après, je vais un masque du visage, je pense. Un petit soin. Voilà, demain, je ferai les cheveux. J'en profite parce que mon fils, bah, depuis qu'on est rentré, il fait que dormir. Bon, en même temps, ce matin, il n'avait pas dormi. Parce que... parce qu'on l'a empêché de faire sa sieste quand il est allé faire le vaccin. Et il fait que dormir. Donc on laisse dormir. Ça y est? T'es prêt? Ordinateur en main? Yoga? Je suis motivée parce que je viens de recevoir des colis d'habits là, donc ça. Tous les jours, il reçoit des colis d'habits. Allez, on a 30 minutes. T'es prêt, Gizmo? Ah ouais, il y a cette ambiance. Bon, on a fait notre yoga. Ça fait du bien, voilà, au moins ça s'est fait. J'ai un coup de barre d'un coup, je pourrais m'endormir. Bon, j'hésite à me faire le masque détox, celui-ci,
Ou celui-ci, rajeunissant, détoxifiant, éliminateur. J'aime trop aussi celui-là. Je l'ai fait la semaine dernière déjà. Ouais, je vais faire lui. La semaine d'avant et la semaine d'avant, j'avais fait lui. Je change des fois. Là, je viens de lui nettoyer le visage. Bon, ça, c'est en rupture de stock, les amis. Je me suis nettoyé le visage et tout démaquillé. Le maquillage, c'est bien 2 minutes, mais après, moi, ça me gonfle vite quand même. Je sais pas comment il y en a, elles font limite, elles dorment maquillées. Genre, elles démaquillent jamais, elles sont tout le temps pimpées de la tête aux pieds. C'est juste pas du tout moi, ça, c'est pas possible. Autant que des fois, ça fait du bien et c'est cool. Mais alors, autant qu'à plein temps, pas du tout. Donc ça, le masque que j'applique, c'est un masque à base d'or 24 carats. Bon, tous les produits du l'or sont à base d'or 24 carats. C'est très bon l'or pour la peau. Il y a des vertus rajeunissantes, anti-ridules, anti-acné. Enfin, c'est vraiment génial. J'adore tous les produits, je les utilise tous, que ce soit pour le corps, le visage ou la bouche. Franchement, je vous les recommande. En plus, j'ai moins 50%. Mais dépêchez-vous, il y a déjà plein de ruptures, elle n'aura pas pour tout le monde. Voilà, donc là c'est celui-ci que je viens de laisser poser. La dernière fois, pour celles qui m'ont demandé, le masque blanc que j'avais sur le visage, c'était celui-ci. Voilà, c'est deux masques différents. Donc là, j'ai ressorti hier un gommage pour le corps parce que je l'ai fini à la douche hier soir. Je l'ai fini à la douche hier soir. Oups, celui-ci il est mort. Voilà. Le gommage du corps, je le fais tous les 15 jours. Voilà. Le masque toutes les semaines. Ensuite, le gommage des lèvres tous les 2-3 jours. Donc ça c'est le lavage quotidien. Et après, vous avez ça en cadeau aujourd'hui, exceptionnellement, vous avez la lotion caviar. Vous avez aussi les produits à base de caviar. Et après, donc là, j'ai j'ai la crème des yeux et la crème de visage à base de caviar. Ces derniers temps, je mettais plus l'élixir. Voilà, ça, je le mets sur la bouche, sur tout le visage. Elle hydrate vraiment bien. Si vous avez la peau sèche ou des coups de soleil, c'est top. Là, il y a mes petits patchs. Enfin, voilà, vraiment, j'utilise tous les produits à différents moments. Donc, profitez, les amis, de ces mois. J'ai mis le bandeau parce que j'avais plein de petits cheveux. Je savais pas où je l'avais mis. Je viens de le trouver. Profitez les amis, j'ai moins 50%, c'est valable sur tout le site et en plus de ça vous avez la lotion caviar offerte, il n'y a pas de minimum d'achat donc ça vaut vraiment le coup. Après je peux pas vous recommander qu'un produit en particulier parce que vraiment j'utilise tout à différents moments donc voilà, faites par rapport à vous ce que vous avez besoin. Donc quand vous arrivez sur le site Gilor, vous avez la gamme or ici, la gamme caviar ici, vous avez tous les produits, il y a beaucoup de ruptures, il y a également des packs, voilà. Donc, par exemple, vous avez le pack, le full body gold. Donc ça, c'est pour le corps. Celui-là, pour les lèvres, full gold lips. Moi, je vais mettre celui-ci au panier, le masque plus l'élixir. Vous appliquez le code promo offre Jess. Vous allez avoir moins 50% et la lotion qui se met gratuitement. Regardez-moi ce merveilleux bébé. C'est le bébé qui dort longtemps celui-là. Il a décalé tous ses biberons de la journée ce bébé. Là. Tu vas arriver à faire un gros dodo cette nuit? Tu vas arriver? En fait, on vous a pas dit, c'est pas une dent qui fait, Mylon. Ah si, je vous l'ai dit hier. J'ai l'Alzheimer. Hein? C'est deux dents. Deux dents, mon chat. Deux dents, ma vie. Que je t'aime. Je pourrais passer ma vie entière à te faire des bijoux. Et toi, tu pourrais passer ta vie entière à les accepter. Tous mes bijoux. Ça te saoule des fois. Oh là là. Bonjour monsieur, enchanté Thibault. C'est un plaisir. Voilà, votre papa. Je suis ton père. Je voulais remercier les personnes qui m'ont acheté mon livre.
C'est vrai qu'il est sorti en février l'année dernière. Il y a encore des ventes à l'heure d'aujourd'hui, des gens qui me lisent. Enfin, voilà, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche parce que voilà, vous apprenez à plus me connaître. C'est vrai que dans ce livre, je vous ai tout raconté. Je me suis vraiment dévoilée à cœur ouvert. Genre, je vous ai tout raconté quand je suis née. Quand j'ai grandi en caravane, mes années scolaires un peu compliquées, enfin voilà, mes histoires d'amour, tout, la télé, ce que ça fait d'être connue, enfin l'envers de la télé-réalité, enfin vraiment, je suis passée par tous les sujets, donc ça m'a fait hyper plaisir de me dévoiler à vous. Je suis vraiment très contente de ce livre, j'en suis fière. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent le lire, ça se passe en swipe up ici, et n'hésitez pas à me faire des retours à chaque fois parce que genre, quand je les lis, ça me fait grave plaisir quoi. Voilà, je vous remercie et je suis trop fière de grandir avec vous et que vous appreniez plus à me connaître. Ça, c'est sa tête quand j'ai le mouvement de l'ordinateur. Ah, après, il veut rien dire, ton ordi. J'aime pas utiliser un ordinateur, je sais pas faire. Je sais pas faire des mises à jour. Il y a des photos partout. C'est vrai, les photos elles sont mal rangées. Il y a des documents partout. Il y a des pas de mise à jour, les clouds, je ne l'ai pas connecté. Il y a des messages d'erreur, il manque des applications. Ça va, aime-moi plus que mon ordinateur. En fait, moi je suis quelqu'un, je vais laisser l'ordinateur éteint pendant 6 mois et puis d'un coup je pète un câble, je lui dis chérie, mon ordinateur il marche plus. Mais ouais, mais l'ordinateur il comprend pas. Donc il me le remet comme bien. Si moi je te laisse tout seul dans ta chambre pendant 6 mois. Je m'occupe pas de toi, rien, je fais rien. Ouais, et ben. Donc moi je vais te récupérer, tu vas être un débrief. Moi jamais de la vie, sans toi je vis. Ouais, lui c'est. Aime-moi.